9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. François Mazet nous présente la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour François. Bonjour Juan, bonjour à tous. Ces nouvelles accusations d'abus sexuels contre des casques bleus en Centrafrique, des jeunes filles ont dénoncé les actes commis par des soldats issus de trois pays de la MINUSCA. Souvent pointés du doigt, l'ONU a ouvert une enquête. Les discussions inter-burundaises sont reportées. La médiation ougandaise avait fixé à aujourd'hui la reprise des pourparlers à Arusha en Tanzanie. Le gouvernement du Burundi a demandé leur report. La crise burundaise et ses conséquences dans les pays voisins. Reportage à suivre dans un centre de santé de la vallée de Roussizi, au sud Kivu, en RDC. Notre envoyé spécial a pu constater que le pillage des récoltes par des groupes armés burundais avait de graves conséquences sur les populations locales. Mais d'abord, on écoute le ministre ivoirien de la Défense. Il confirme que les effectifs des forces armées vont diminuer à l'horizon 2020.